Ah, un petit bain de minuit en amoureux, à cette heure-ci, sous la belle étoile. La lune est belle, y a rien de tel. Hein, qui t'en dit, Marie-Madeleine? Ouais, elle s'en fout, elle. Tant qu'elle barbote, elle est contente. Bonsoir, tout le monde, et re-bienvenue sur Stranded Deep. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, les gens? J'ai décidé de faire un truc de malade. On va s'occuper un petit peu du camp, aujourd'hui. On va se concentrer, vraiment, sur la base. Enfin pas vraiment, on va peut-être pas faire la base, mais on va commencer à attaquer un petit potager. J'ai vu en plus qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'a donné un petit défi de faire un potager. Je savais même pas qu'on pouvait faire des potagers dans Stranded Deep. Et j'ai vu ça tout à l'heure là. On va faire ça bien gentiment, on va s'y attaquer. Et regardez ce que j'ai fait, si c'est pas joli tout ça. J'ai calé un petit lampadaire. Bah normalement il était pas là. Voilà, nickel. Je l'ai recalé sur le palmier. Ça me fait un petit lampadaire pendant la nuit. J'en ai calé une là-bas et une sur la table, sur le plan de travail tranquillement. Et franchement c'est super cool. Avec ma petite torche et tout, ça déchire franchement. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, ma vieille? Ouh, toi t'es fatigué. Allez, va donc te reposer, va. Bon, on va mettre ça ici. Donc comme vous le voyez, j'ai avancé un tout petit peu de mon côté. C'est-à-dire que j'ai été chercher 2-3 branches de bois. Pas sur mon île, bien sûr, j'étais à chercher sur l'île d'en face. J'ai ramené quelques noix de coco, tranquillement. Voilà, j'ai crafté quelques cordes et tout, et puis pas plus. Et puis c'est tout, quoi. J'ai ramené 2 cailloux. Super, GG. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire péter un petit potager, les gens. En tout cas, si vous êtes chaud pour le potager, si vous êtes chaud pour que la série Stranded Deep continue, oubliez pas de faire péter la barre des likes. Ça, ça fait toujours plaisir. Je les compte, je comptabilise. À voter, je compte tous les likes, tous les soirs. Eh, moi pour m'endormir, je compte pas les moutons, je compte les likes. Et les partages aussi. Attention, je vois qu'ils partagent. Peut-être que bientôt il y aura 2-3 dédicaces. On sait pas, va savoir. Alors regardez, en fait ce que j'avais pas vu, c'est que là je m'étais arrêté ici, vous voyez. Voilà, pour moi il y avait 3 onglets. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que là il y a du farming. Eh ouais, et le potager il va être là, vous voyez. Et non seulement il y a du farming, mais il y a du building. Les fondations, le flour. Bah si, je l'avais vu ça. Eh ben on va se faire un petit machin en tôle hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, il faut qu'on se fasse une houe. Une petite houe des familles, comme on dirait dans le jargon. Il nous faut 2 stone tools. 1 stone tool. Très bien. Maintenant, on peut faire une houe. Oh yes! Yes, yes, yes. Oh, regardez ça, comment que ça déchire. C'est un truc de fou, quoi. Crac! Oh là là. Ouh là là. Ouh là là. Bref! Allez, mon vieux. Oh, ce truc de fou. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là-dedans? Bah, des patates, sûrement. Hold to it ou interact. Yes, attendez. On va chercher des pommes de terre. Je sais que j'en ai vu dans le coin. Où est-ce qu'elle est, ma torche? Voilà. Oh là là, comment que ça déchire depuis que j'ai la torche. Également, les gens, il va falloir qu'on se fasse une petite pioche pour miner tout ça. Ça pourrait être bien cool. Alors, j'ai pas encore lu vos commentaires pour ce qui est de faire la clé et tout. Étant donné que cet épisode, je le tourne à la suite de l'autre. Mais n'hésitez pas toujours à me laisser vos astuces, vos défis, vos commentaires. Je lirai tout pour la prochaine fois. Ah, quand je suis lancé, je peux pas m'empêcher de m'arrêter, mon vieux. C'est un truc de fou, quoi. Il est tellement bien ce Stranded Deep, ça me fait tellement plaisir de retourner dessus. On va prendre un petit bout de bois, yes. Est-ce qu'il y aurait pas un petit plant de patates dans le coin? Je crois que j'en ai vu quelque part, il me semble. Et j'ai peut-être bien halluciné parce que je vois aucun plant de patates. Une fois qu'on aura fait le potager, une fois qu'on aura planté nos petites patates et tout, ne vous inquiétez pas, on va s'attaquer à la base. On va faire un jacuzzi pour Marie-Madeleine, on va y faire sa chambre, on va y faire sa salle de jeu, on va tout y faire, mon vieux. On va faire une villa à 15 étages, un truc de fou. C'en est pas ça? Non, c'en est pas. Bon! Eh bien, écoutez, y a rien à planter, mon vieux. On peut pas faire du compost avec les noix de coco, non? Je teste. J'en prends une comme ça, et une comme ça. Est-ce qu'avec ça? Non plus. Eh ben voilà, c'est bon. Au moins, fallait essayer. Bon, on a fait la houe, tranquille. Alors, les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir un petit peu, et je vous retrouve demain matin. Tiens, tu te pousses un peu? Qu'est-ce qu'elle en prend de la place, mon vieux? Ah, quelle belle matinée que ça annonce là! I need to find water, pas de problème, j'ai de la noix de coco. T'en veux de la water? On va t'en donner. 1, 2, 3, 4. Et bah c'est nickel tout ça, regardez ça. Crac! Crac! On va se faire un petit cocktail matinal. Et 4. Et bah c'est parfait. Et puis on va manger celle-là. Voilà. Qu'est-ce que ça dit au niveau... bah c'est pas mal, écoutez. Ce qui nous manquerait, c'est juste un seau. Franchement... Ça nous manque un petit seau quand même, j'avoue là. Ce serait vraiment sympa. On va poser la torche. On va poser la houe. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Attendez, on va poser ça ici. Putain, mon vieux. Voilà, impeccable. On va poser ça ici. Et là, les gens, on va partir à l'aventure. Alors, on a fait cette île. On a fait cette île. Et bon, on n'a pas fait celle-là. Et puis ni celle-là là-bas, ni les autres, ni celle-là. Eh ben écoutez, on va s'attaquer à celle-là aujourd'hui. On va aller en face, on va voir. J'aurais pas oublié quelqu'un des fois. Bah alors, préviens. Ah oui, t'étais encore en train de dormir. Tu fais la grasse mat toi comme c'est fait là. Allez, on est parti, let's go. Où est-ce qu'on allait, j'ai dit?
On allait à celle-là. C'est parti, let's go, tout droit. Comme d'hab, je vous zappe un peu le voyage, sauf si je trouve quelque chose d'intéressant sur la route, et on se retrouve dès qu'on est arrivé sur l'île d'en face. Tiens, regardez ça, je vous fais une transition mouette. Regardez-moi ça, je sens qu'on va trouver des petites pépites sur cette île. Oh oui, ça sent le trésor. Ouh, déjà, il y a une petite console à fouiller ici. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, on va se garer bien tranquillement. Allez, viens ici, ma vieille. Voilà, ça c'est pour les voleurs. On sait jamais ce qui peut se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je prends. On n'est pas déjà venu ici? Non, je crois pas. Non, non, je me fais des idées. Je pense pas qu'on est venu. Bah attendez, je vais vous le dire si on est venu. Non, on n'est jamais venu ici. Ok, je prends. Impeccable. Oh là là, regardez ça, tout ce qu'il y a à fouiller. Oh, ce truc de fou, mon vieux. Trop de trucs, quoi. Je sais plus où donner de la tête, là. Tu le sais où donner de la tête, toi? Alors, tu te soucies pas de tout ça, toi, hein? Attendez, on va monter là-dessus. Yes. Oh là là, laisse tomber, mon vieux. Un vrai Yamakasi. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Yes, je prends. Ouh yes, de la morphine, ça c'est cool ça, ça va servir. Ici c'est parfait, bah écoutez, on va aller voir sur celui qui est en face. En plus on a pas mal de petits trucs à ramasser sur l'île, donc ça va être plutôt cool. Regardez ça, le Yamakasi mon vieux, hop là. Alors, ouh attendez, oh va falloir que j'y retourne là-bas. Ouais, j'ai pas vu mais ça se trouve il y avait aussi un petit truc ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là, ouh, ouh, ouh. Je, quoi? Déjà? Oh ah bah ouais mon vieux, putain ça va tellement vite. Oh putain il me faut ça. Oh non, va falloir que je fasse un aller-retour. Va falloir que je fasse un aller-retour. Obligé, pas le choix les gens. Bon et bien écoutez, on va se faire un petit aller-retour. Je vais retourner sur l'île et on va déposer tout ça. Et puis on va revenir ici tranquillement. Ah ça fait de la route je sais. Mais bon c'est pour le bien de l'aventure. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Allez accroche-toi, on y va. Petite transition mouette. Yes, on est arrivé. À mon avis le temps que je dépose tout ça et le temps que je retourne sur l'île là-bas, il fera nuit. Je pense qu'on va prendre ma torche. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On prend la torche, Marie-Madeleine? Elle a dit oui. Alors, on va déposer un petit peu tout ce bazar. Tac, tac. C'est parfait. À manger ici. La morphine ici. Les heures ici. Le close ici. Ça, ça va aller ici. Et voilà. Et c'est impeccable. Bon, écoute, ce qu'on fait, Marie-Madeleine, c'est que je te confie. Tiens. Je te mets dans l'eau si t'as soif. Je te confie la base, tu fais pas la folle. Et moi je retourne de l'autre côté. S'il y a des voleurs t'attaques hein, t'hésites pas hein. Et bon on y retourne, c'est là-bas qu'on va nous. Allez let's go. Hop là, transition end spinner, vous y attendez pas celle-là. Eh ouais, on est déjà arrivé. Ah bah ça va vite hein. Certes, j'ai pas monté le moteur au cul du bateau encore, mais avec le régime de noix de coco qu'on est en train de faire, vous inquiétez même pas que j'ai des bras pour ramer mon vieux. Un truc de fou. Donc, on avait dit. Eh ben, on avait dit qu'on prenait ça. Eh ouais, vas-y. Donne-moi ça. Voilà, je prends tout. Donne-moi les balles. C'est impeccable. Est-ce qu'on n'avait pas laissé un truc en haut aussi? Il me semble que si, hein. Si je ne m'abuse. Attends. Ah, yes, marteau. Je prends. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Allez, vas-y, ouvre-moi ça. Oui, je prends, bien sûr. Attends. Ah, il y a peut-être quelque chose en dessous, les gens. Peut-être. Attends. Pas dit. Non, non. Non, je pense pas. Non. Quoique. Est-ce qu'on n'a pas un coffre en dessous? Non, on n'a rien. Non, on a que dalle en dessous. On n'a rien du tout. On va aller retourner sur l'autre bateau. Parce que je sais que j'ai dû oublier quelque chose au-dessus. Regardez, regardez, regardez. Bah oui, bien sûr que j'ai oublié quelque chose au-dessus. Il y avait un coffre que j'ai même pas pris, quoi. Hop là, impeccable. Hop. Regardez ça, le Yamakasi, mon vieux. Un truc de fou, quoi. Ouh, bien sûr, je prends. Ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est la dernière pièce pour le moteur. Ça, ce serait vraiment cool. J'ai tout pris ici, hein. Ouais, ouais, j'ai tout pris. Ok, ce serait vraiment cool qu'on trouve la dernière pièce du moteur, franchement. Putain, on est déjà plein, quoi. Oh. J'ai encore une place. On va ramasser de la pierre bien tranquillement. Et bah ça y est, j'ai plus de place. Voilà, c'était la dernière pierre qu'on pouvait ramasser. Une fois de plus, faudra revenir ici. Parce qu'on n'a pas tout pris. Quoique, je peux encore ramasser des planches. Tac, tac, tac. Ouais, on peut encore ramasser des planches s'il y en a. Voilà, oui, ça on prend, c'est joli. Bien sûr. Oh putain, j'ai soif par contre. On va se faire 2-3 cocos sur place. Voilà, impeccable. On se fait 2-3 petites coconuts, c'est nickel. Alors, où est-ce qu'on en est? Oh bah ça va, on est plutôt bien remonté, tranquille. Bon, et bien écoutez, on retournerait bien sur notre petite île. On va aller faire le bilan. On va aller déposer tout ce qu'on a trouvé. Oh, attends, putain, il y a des bulles là-bas. Il y a encore des trucs à...
Il y a encore des trucs à visiter sur cette île. Elle est où notre île là? Putain, je suis perdu moi. C'est pas celle-là là-bas, non? Il y a des bulles ici. Bon, allez, vas-y. On est parti à l'aveuglette, on verra bien. Ah yes, je la vois. Elle est en face. Impeccable. Oh là là, regardez comment que notre île, elle brille de mille feux de loin avec les torches que je lui ai mises. C'est un truc de fou. Vous voyez que ça sert les petits lampadaires là qu'on ramasse? Hein? Il m'en faudrait encore une petite cinquantaine là, mon vieux, et pfff. Laisse tomber. De loin, ça va ressembler à Disneyland. Ça va être un truc de malade. Est-ce qu'on se ferait pas un petit radeau de compète avec tout ce qu'on a ramené ici, là? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? T'as été sage? Oh, bah oui, elle a été sage. Regardez là. Sage comme une image. Elle bouge pas. Allez, va. Tiens. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de se faire un petit radeau de compète? Deux en un, là. Hein? Attends, il n'y a pas moyen de le faire évoluer, celui-là, là? Ou je sais pas. Yes. Ah, si, regardez ça. Crac! Oh, ce truc de malade, mon vieux. Attendez. Parce que là, maintenant, on va faire propulsion. Oh là 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 là. Oh, putain, il nous manque trois fois rien, quoi. Il nous manque juste cette pièce. Juste celle-là. Tout le reste, je les ai. Là, on va se faire une petite voile. Histoire de se faire un truc bien rapide. On va prendre un, deux sticks. Voilà, yes, c'est parfait. Pourquoi que... Non? Pourquoi? Pourquoi qu'il veut pas le mettre? Je comprends pas. Normalement, il devrait pouvoir le mettre, là, non? C'est quoi ce délire? Attends, viens la lumière. Voilà. Putain, il me semblait que c'était comme ça. Ah, merde! Ah, ça, c'est con, ça. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut naviguer, au moins, avec? Elle est là, la grande question, voyez-vous? Parce que là, je suis moins sûr, d'un coup. Et bah, bien sûr que non! On peut pas! Ah, bah, merde. Ah, ça, c'est con, vous voyez? Ah, bah, écoutez, on va le ranger, quand même, par ici. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en faire un en bois. Voyez-vous? Allez, on va ramasser un petit peu tout ça. Quoi, je suis plein? Ah oui, merde, je me suis même pas débarrassé. Oh là là, comment que c'est magnifique avec le soleil qui se lève et tout. C'est juste magnifique. Là, des planches. 1, 2, 3, ok. Les cailloux. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'il fout là, ce tronc d'arbre? Normalement, il doit être avec les autres troncs d'arbre, voilà. Ça doit être ici. Ouh, il y a une tempête ici. Ou alors, c'est Marie-Madeleine qui a foutu le bordel. Comme d'habitude. Elle range rien, ça m'étonnerait pas, ça. Hein? Alors, vas-y, vole. Tiens, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder le potager. Voilà. Et tu m'appelles quand il y a quelque chose qui pousse. Alors, attendez, on va prendre de la corde. Voilà, on va prendre quelques cordes. Est-ce qu'on peut se faire un petit bateau en bois? 14 et une corde. Ah, il en faut 14. Bon, pas de problème, normalement, je les ai. Alors, tac, 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 tac. Voilà, j'en ai peut-être assez, là, non? Eh ben, on va pouvoir se faire ça. Vas-y, crac, c'est parti. Eh, j'espère que sur celui-là, on pourra mettre la voile. Voilà, par contre, je vais m'en faire un grand. Voilà. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Il y a des troncs d'arbres qui volent. Je sais pas trop pourquoi. Crac. Bah. Je me disais bien que j'avais vu voler des troncs d'arbres. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Les troncs d'arbres, ils se mettent à voler, mon vieux. Cette île est hantée. 99% des gens n'y croiront pas. Un truc de fou, quoi. Je comprends rien. Bon, bah écoutez, on va les remettre à leur place. Hein. Bah oui, je me dis ça vole partout. C'est un truc de fou quand même. Alors, ça pousse? Non? Toujours pas? Bon bah tu m'appelles. Alors, raft, yes, nickel, parfait, parfait. On va mettre ça comme ça. Oh là là, ce grand radeau, mon vieux. C'est un truc de fou, quoi. Là, les gens, je vous le dis, on est parti pour faire un radeau de compète, mais un truc de malade. Allez, dis-moi que j'ai pas fait ça pour rien, franchement. Dis-moi que j'ai pas fait... Arrête, jure, t'es sérieux? Mais j'ai fait ça pour rien. J'ai fait ce gros radeau pour rien, quoi. Bon, au moins, on aura un gros radeau. Laisse tomber, j'ai deux gros radeaux, quoi. Trois avec le jaune. Non, sérieux. Merde. Ah, peut-être que la voile, en fait, elle se fixe sur le moteur, quoi, après. Bon, dis-moi au moins qu'on peut le contrôler, celui-là. Putain, c'est pas vrai que j'ai fait des radeaux pour rien, quoi. Oh, bah, j'ai fait des radeaux pour rien. J'ai fait des radeaux pour rien, quoi. Enfin, pour rien. Ce sera pas pour rien, parce qu'au moins, on l'a déjà, quoi. Bah, dites-moi dans les commentaires, hein, qu'est-ce que je fais avec ça, là, parce que... Là, je suis perdu, là. Pourquoi je peux pas foutre ma voile dessus, quoi? Et bah, j'ai une petite collection de radeaux, tranquillement. Regardez ça. Oh là là, ils sont magnifiques, mes radeaux, mon vieux. J'en ai trois, quoi. Un truc de fou. Ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser notre hache ici. On va partir complètement à vide. Tu m'appelles quand ça pousse, hein. Et on va partir visiter une autre île. On était parti visiter celle-là. D'ailleurs, faudra qu'on y retourne. On va plus aller, genre là-bas, là.
Voilà, il y en a une. Attends, hop, 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 hop. Il y a mon radeau qui se fait la malle, là. Allez, let's go, on va sur l'île qui est juste en face. C'est parti. Ouh, elle m'a l'air bien petite, cette île. Vraiment très petite. Par contre, il y a de la mouette. J'espère qu'on va trouver quelque chose d'intéressant ici. Voilà, on va se garer ici, tranquillement. C'est impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Il y a une épave là-bas, il y en a peut-être même deux. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord fouiller les épaves. Voilà, je vais jeter ça, en espérant qu'on va pas se faire bouffer par un requin. Ce serait plutôt cool. Il y a un coffre ici. Oh yes! C'est pile poil ce qu'il nous fallait. Attends. Tac, tac, yes. Yes, yes! C'est cool ça. Crac, crac, crac. Ok, j'ai tout pris. On a tout pris ici. Putain, il y a un requin! Je me suis fait attaquer. Oh le salaud. Oh le salaud. Putain, il est juste là le salaud. Oh le bâtard! Il m'emmène dans les fonds marins! Lâche-moi! On se casse! On se casse! Putain, comment qu'il m'a traîné trop loin? Pff. Oh, vas-y, vas-y, fils de... On est mort. Heureusement que j'avais prévu le coup et que j'avais sauvegardé pas très loin. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner aller visiter les bateaux. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas dit que je ramène les mêmes trucs que j'ai ramassé tout à l'heure. J'espère juste que je vais retrouver l'engine. Vas-y, vas-y, je vais voir. Oh putain, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Ah, j'aurais dû amener mon petit air tank là. Ça m'aurait bien servi. On va y aller les gens, c'est juste en dessous. Oh putain, il y a des tonneaux à ramener, je peux pas les prendre. Ça, ça fait chier quoi. Allez, let's go. C'est parti. Vas-y, dis-moi qu'on va trouver. Eh non, eh non, 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 non. Putain, je suis dégoûté. Je suis tellement dégoûté quoi. Vas-y, je vais remonter, je vais remonter. Oh yes, une boussole. Oh non, j'ai plus de place. Putain, j'ai plus de place et il y a le requin. Monte, monte, monte. Oh merde. Vas-y, je retourne sur la rive. Yes, des torches, je prends. Marteau, c'est cool. Hop, ça. Des vitamines, des planches. Et j'y retourne. J'y retourne parce qu'il y avait une boussole et ça c'est super important la boussole. Allez, vas-y. Allez, let's go. Go. Yes. Vas-y, je remonte. Je remonte, je remonte, je remonte. Vas-y, monte, 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 monte. Yes. Ok. Bon, écoutez, franchement, on s'est mis super bien là. Là, on a trouvé la boussole, on est bien. Par contre, je suis dégoûté pour le moteur, encore une fois. Je suis deg, quoi. Ouais, il y aura moyen d'en trouver un autre, de toute façon. C'est obligé. Ah, c'est dommage, je peux pas tout prendre. Et puis, si j'en mets dans le radeau, quoi, je vais en paumer sur la route. Ça, c'est obligé. Vas-y, on va tenter. Je vais en mettre un petit peu dans le radeau. Surtout la corde. Ouais. Wow, ça va être chaud, les gens, là. Waouh, waouh, waouh. Non, 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 non. Mon radeau. Oh, putain, mon radeau. Wouh. Si je perds tout, je suis dégoûté. Non, non. Attendez, attendez, attendez. On va tenter de rentrer comme ça, mais ouais, ça va être tendu, hein. Ça va être tendu. On va tenter d'y aller. Nous, on s'en va. On s'en va là-bas, en face. Allez, vas-y. C'est parti, let's go. Oh, putain, mon vieux, on y va en wheeling, mais... ouais, je crois bien que je vais paumer la moitié de mes affaires. Ça va tanguer sur la route, hein. Je vous retrouve une fois là-bas. Si on s'en sort. Voilà, impeccable, on est arrivé. Bon, la route était très longue. Ça a beaucoup tangué. J'espère que j'en ai pas perdu la moitié en chemin. Ça a l'air d'être pas trop mal. Écoutez, on va ramener le radeau là-bas, tranquillement. Voilà, on va faire l'inventaire. Yes, ça va, c'est plutôt cool. Bon, qu'est-ce qu'on a ramené? Alors, ça a poussé depuis tout à l'heure? Non, toujours pas? Ah, franchement, je suis tellement dégoûté. On aurait pu faire le bateau à moteur et tout, là. En tout cas, je referai pas la même connerie que tout à l'heure avant que je sois mort. C'est-à-dire, je vais pas reconstruire un gros radeau. Parce que je préfère garder mon bois pour l'instant. On va le garder comme ça. Et on fera ça quand j'aurai vraiment toutes les pièces. Yes, une petite corde, je prends, bien sûr. Tac, regardez ça, j'ai des torches et tout. C'est excellent, quoi. Hop, voilà. Ah, yes, ma petite boussole aussi. Ça, c'est cool. Yes, franchement, ça, ça fait plaisir. Bon, et bien, écoutez, les gens, on a encore pas mal avancé. On s'est vraiment stuffé à mort. J'ai récupéré vraiment pas mal de trucs. Et là, on a de quoi crafter pas mal de petits trucs, je pense. On a fait notre petit potager, et ça, c'est plutôt cool. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? J'ai ramené des torches, des marteaux et tout, vraiment, là, pff, là, on est super bien. Et je pense que la prochaine fois, on va pouvoir
Je pense que la prochaine fois, va falloir surtout trouver le moteur. Va falloir partir à l'aventure et tout. Encore une fois, faut absolument qu'on trouve le moteur. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé le moteur, là, ça va aller super vite après. Et parce que là, c'est un peu long, quoi. Avec le radeau jaune et tout, faire des allers-retours entre les îles, c'est super long. Vous imaginez même pas un truc de fou, quoi. Sur ce, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye!